Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter une belle histoire. Il s'agit de la petite plante. Alors écoutez cette belle histoire de la petite plante. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est une petite plante sous la terre. Et qu'est-ce qu'il fait le soleil? Il fait chaud, il essaie de la réveiller. Un matin de printemps, le soleil se dit. Il y a sous la terre, au milieu du jardin de Suzon, une petite plante qui dort dans sa graine. Je vais aller la réveiller. Il se mit à luire. Il se met à luire très fort, il réchauffa la terre tant qu'il put, il pénétra jusqu'à la graine et l'appela, en lâchant, en la touchant doucement. Petite plante, il faut sortir. Je ne peux pas, répondit-elle. Je suis enfermée, c'est la plante qui parle. Pousse de toutes les forces avec ta tête. Tu caresseras la coque de la graine, comme fait le poussin dans l'œuf. Et tu viendras fleurir au jardin. C'est le soleil qui parle. Je ne peux pas, je ne peux pas, non, je ne peux pas, la graine est trop dure. Le soleil était navré. Je sais bien ce qu'il faudrait pour t'aider. C'est la pluie. Mais je ne puis aller la chercher. La pluie n'est pas mon amie. Quand je parais, elle se cache. Lorsqu'elle arrive, c'est moi qui disparais derrière les nuages. Alors, je vais m'en aller. Peut-être viendra-t-elle. Je repasserai demain. Or, justement, la pluie pensait. Il est sous la terre, au milieu du jardin de Suzon, une petite plante qui dort dans sa graine. Je vais aller la réveiller. C'est la pluie qui parle. La pluie se mit à tomber très fort, elle entra dans la terre et toucha la graine. Toc, toc, toc. Petite plante, il faut sortir. Je ne peux pas, je ne peux pas, répondit-elle. Je suis enfermée. Pousse de toutes tes forces. Avec ta tête, la coque va devenir molle à force d'être mouillée. Tu n'auras pas à la casser. Comme fait le poussin dans l'œuf. Je sais que tu n'as pas de bec. C'est pourquoi je t'aide. C'est une histoire à suivre. Qu'est-ce que vous allez chercher, les enfants? Vous allez chercher la signification des mots difficiles, le printemps. Il s'agit bien sûr d'une saison que vous aimez tous. Réveillé, tu viendras fleurir au jardin. Je disparais derrière les nuages. Alors, il faut chercher la signification du printemps, c'est une saison réveillée, tu viendras fleurir, fleurir au jardin. Je disparais derrière les nuages. Les mots expliqués, la coque, c'est l'enveloppe de la graine. On dit de même la coque d'un œuf, était navrée avec beaucoup de peine. Avec beaucoup de peine. Était navrée, ça veut dire avec beaucoup de peine. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que cette belle histoire, c'est la première. C'est donc la première histoire de la petite plante. Elle essaie d'un défi entre le soleil et la nuit qui va essayer de réveiller notre petite plante. À suivre, les enfants.